Olaf. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane, bonjour Chantal et bonjour Julia. Bonjour. Écoutez, bonjour. Je suis absolument ravi qu'on vous reçoive toutes deux aujourd'hui pour ce film au titre si bizarre, Georges. Alors, deux comédiennes comblées, avec une carrière époustouflante et des rencontres fantastiques dont la plus inoubliable aura lieu dans quelques instants, au moment où je chanterai ma chanson. Puisque oui, mon rôle dans cette émission, les filles, c'est de faire une chanson à la gloire de nos invités. Mais aujourd'hui, donc, avec votre permission, je voudrais déroger à cette règle. Puisque nous apprêtons à vivre un moment important ce dimanche, le premier tour de l'élection présidentielle, le plus indécis, le plus passionné et fantastique depuis bien des années, depuis la fameuse demi-finale de la Starac 3. Alors certes, on m'a demandé dans les hautes instances d'RTL de faire preuve de réserve à ce sujet, de rester pudique sur mes intentions de vote tout autant que je l'avais fait auparavant, mais je craque. Je voulais profiter de ma chronique pour faire la promotion de mon champion, Jacques Cheminade, le candidat du Brexit, contraction de présidentielle et exit. Voilà. Comme un aigle souverain, comme un tigre, un dragon, depuis 1981, tu essaies chaque élection, chacun tente de t'évincer. Bon, apparemment ça fonctionne, ce ne sont que des gros jaloux de ta jolie mine pouponne. Où trouves-tu la force nécessaire pour te prendre des roustes et rester fier? Jacques Cheminade, tu te bats. Petit homme, tu soulèves des montagnes. Ton rêve est à portée de bras. Faire un jour 5% pour rembourser ta campagne. T'as vraiment l'air si gentil avec ton petit costume. Pourtant les gens sont surpris quand ils trouvent ton nom dans une urne. Chaque année tu nous invites, nous tes électeurs fidèles. Tu nous dis à tous les 8, vous allez voir à la présidentielle. Personne ne comprend vraiment ton programme. En même temps personne ne l'a lu à part ta femme. Jacques Cheminade, tu te bats. Petit homme, fais taire tous les sondages flous. Ton rêve est à portée de bras. Cette année, c'est faire mieux que l'intouchable Philippe Poutou. Si dans deux semaines t'es élu, un premier décret sera. Bon, en fait, t'avais pas prévu, toi tu préparais pour 2022. Ce succès, tu le dois certainement à tes soutiens. Manuel Valls, Jean-Claude Van Damme, Régis Maillot et les Martiens. Tu as coiffé tous les autres au poteau. Jean Lassalle et François Asselineau. Jacques Cheminade, tu te bats. Petit homme, plus rien ne te fait peur. Ton rêve est à portée de bras. Un jour tu seras même peut-être appelé à être empereur. Olaf, merci. Olaf sera en spectacle avec La folle histoire de Michel Montana le 25 avril à l'Alhambra à Paris et le 26 à Besançon.